Et nous voilà en ligne. Baisser un peu ici. Hop là. Bonsoir aux personnes qui sont connectées. Je vois quelques spectateurs ou spectatrices en ce moment, si j'en crois les statistiques que me donne mon logiciel. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est exact. Hop, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hop. Autant que vérifier que tout est en ordre ici. Ouais, ça me semble bon. Je vérifie que tout est en ordre sur Twitch également. Parfait, très bien. Donc, eh bien, bonsoir. Pour ce nouveau stream, hop, jeux vidéo et linguistique, tac, dédié cette semaine au thème de la relation, des relations, de tout ce qui relève du relatif, mais sans parler de subordination, de pronom relatif cette fois-ci, quoique on y viendra peut-être, mais du moins plus largement parler de relations, toujours avec Bergamote. Qui est derrière, je sais pas si on peut la voir si je me tourne comme ça. Hop, voilà la petite patate là qui est là. Hop, il y a Bergy qui fait sa sieste, comme toujours. J'ai aussi tes nouveaux posters derrière. Hop, je sais pas, vous pourrez comparer ça avec les autres replays. Par où je tourne. Tac. Je les ai postés sur Twitter il y a quelques jours. Un poster de Zelda et un avec des manettes de jeux vidéo. Hop, histoire de décorer un peu mon mur, ça faisait longtemps. On n'avait pas changé la décoration ici, et puis en voyant les posters, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc, le thème de ce soir, les relations et notamment le concept de mise en relation. Bien le bonsoir, je découvre ce stream, je suis habituellement sur Twitter. Et bien, bonsoir, merci d'être là. J'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera tout du moins. Hop. Merci de nous rejoindre. Donc, du coup, le concept de relation qui est un concept structurant, évidemment, dans le cadre de la linguistique, de la grammaire. Antoine, ah, il y a, apparemment, il y a des gens qui se connaissent ici dans le chat. Sarah, vous ici? Mais trop drôle, oh là là. Oh, c'est marrant. On était en L1 sciences du langage ensemble. Ah bah comme quoi le monde est petit. Du coup vous revenez à vos premières amours avec ce stream. Donc, la relation dans le cadre de la grammaire. Donc, il est un concept structurant puisque il est à l'origine, ne serait-ce que de l'analyse syntaxique. Merci. De l'analyse syntaxique, puisque la façon dont on détermine des syntagmes, des fonctions, ce n'est jamais qu'une façon généralement d'associer des mots. Qui sont disposées dans une linéarité plus ou moins contiguë les unes aux autres dans l'espace de l'énoncé, à l'écrit comme à l'oral, et donc de les rassembler, de les mettre en relation les uns avec les autres, afin de produire des structures isomorphes, hein, fonctionnelles, qui permettent du coup de construire l'énoncé. Et donc, la façon dont les langues déterminent ces relations de proche en proche, hein, ces relations de syntaxe par exemple, ou bien des relations plus lointaines d'isomorphie, d'image, de champ lexical, donc sur un plan plutôt sémantique ou pragmatique, finalement est toujours quelque part dans la façon dont on décrit les faits de langue. On va aborder avec l'article de ce soir cette notion par l'intermédiaire du concept de préposition, par l'intermédiaire d'un article de Daniel Lehmann,
qui est une introduction d'un numéro spécial de langue française qui est paru en 2008, si je ne me trompe pas, donc il y a une dizaine d'années. Donc l'article, l'introduction et la revue entière est disponible en ligne hein, sur le site de Cairn en free wall, hein, en free, je ne sais plus comment on dit, en freeware, enfin disponible sans besoin d'avoir un compte universitaire ou quoi que ce soit, si vous voulez le parcourir également. J'ai donné l'URL dans l'annonce du stream, il sera dans la description de la vidéo sur YouTube lorsque j'uploaderai la vidéo sans doute demain ou après-demain. Et ce concept de préposition, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à considérer, même si, comme on va le voir avec cet article hein, que l'on va parcourir, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été analysé à fond par les grammairiens, et ce depuis la linguistique moderne, et en français ne serait-ce. On considère qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la préposition, que c'est un mot-outil, un mot de relation, hein, comme on l'appelait et comme on l'appelle encore parfois aujourd'hui. Et c'est une partie du discours qui a davantage intéressé les diachroniciens, va-t-on dire, les historiens des langues, que vraiment les synchroniciens, hein, en tant que tels. Tout simplement parce qu'on considère que la préposition en français, ne serait-ce, est une invention, ou du moins, voilà, c'est, a vraiment explosé lors de la Romania, hein, lors du passage des langues, de la langue latine aux langues romanes. Tout simplement parce que même s'il y avait des propositions, des prépositions en langue latine, le système casuel du latin permettait de s'en passer pour un certain nombre de fonctions indirectes ou obliques, hein, comme on dit encore, hein, des compléments d'attribution, des compléments d'objet direct, des compléments du nom, ce type de choses, bon, étaient pris en charge par des génitifs, des datifs, des ablatifs. Et puis au fur et à mesure du temps, et dès le latin populaire, on voit apparaître un système de prépositions pour combler ce schéma casuel latin notamment, qui finit progressivement par se déliter jusqu'au stade que l'on connaît aujourd'hui, où il n'y en a guère que quelques tout petits reliquats dans le système pronominal notamment, avec les pronoms dits relatifs, à proprement parler, qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc., qui sont à proprement parler des marqueurs de relations, d'où leur nom de relatif, hein, relatif, relation, et évidemment, des pronoms clitiques, objets comme le, la, lui, etc., qui ont des petites, voilà, des résidus du système casuel latin. Mais ce faisant, lorsque le système prépositionnel se répand, lorsque le système casuel du latin disparaît, eh bien, partant, on fige un peu plus les relations dans le texte, hein, les phénomènes de relations, puisque la préposition oblige de séquencer les éléments reliés, alors que les permutations, les effets d'hyperbate, hein, de modification de la structure dans une langue casuelle sans préposition, par exemple, sont beaucoup plus laxes. Hein, on peut s'autoriser à mettre le complément oblique avant le nom qu'il complète, bon, ce type de choses. Ce n'est plus franchement le cas en français, ou du moins, c'est beaucoup plus limité. Et donc, du coup, ça terrasse un peu les effets de l'énoncé au profit d'autres effets de sens. Intéressant. Et donc, finalement, on s'intéresse plus souvent au syntagme prépositionnel qu'aux prépositions elles-mêmes, alors que c'est encore une partie du discours un peu délicate à aborder. Hein, si on veut en faire le tour, il y a énormément de choses à voir. Et c'est précisément ce que va nous expliquer Daniel Lehmann, donc dans cet article de 2008, introduction du numéro de langue française, préposition du français, état des lieux. Donc je parcours le texte à saut et à gambade, hein, en faisant des commentaires, s'il y a des choses voilà, qui vous semblent importantes ou sur lesquelles vous voulez revenir, des questions, des concepts que j'aborde, que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à intervenir par le chat pour en parler. Alors, donc l'objectif du numéro est de faire le point sur une catégorie qui reste énigmatique malgré les études et les monographies, la préposition. Et de renseigner en particulier didacticiens, pédagogues, enseignants sur l'état présent des connaissances. Bon. Les grammaires dites de référence, hein, les grands dictionnaires ou les manuels de vulgarisation universitaire ou scolaire,
continue à vivre sur des idées qui peuvent paraître obsolètes, contestables ou précises ou à préciser, faute peut-être de présentation synthétique. D'une manière générale d'ailleurs, les prépositions occupent une place relativement marginale dans ces ouvrages. Le chapitre 9 de la grammaire méthodique du français, la préposition et le groupe prépositionnel, occupe 5 pages dans l'édition de 94, et la grammaire critique du français de Villemette ne leur consacre pas de chapitre propre. Alors, comme j'ai la dernière édition 2021 de la GMF, de la grammaire méthodique du français, on va voir si ils ont depuis amélioré leur... Hop. Définition des prépositions. Let's see. Les pronoms, les groupes pronoms, les types de complément, sémantique, l'adjectif, l'interrogation. La préposition et le groupe prépositionnel. Donc il y a à présent le chapitre 12. Fait toujours 5 pages. La page 639 à la page 645. Hein, effectivement, donc ils ont peut-être ajouté, je sais pas si ça se voit ici, voilà, il y a, je sais pas si, hop, vous voyez ici, tac, toujours les 5 mêmes pages, je pense qu'ils n'ont peut-être pas été refaites en plus de 20 ans de réédition de la grammaire méthodique du français, alors que toutes les autres catégories de la grammaire ont, voilà, étendu leur prise, la préposition reste encore le parent pauvre de la GMF. Du fait que généralement c'est éclaté également, on va le dire, sur l'étude des compléments d'objets indirects, sur les compléments des expansions nominales, etc. Donc, c'est pour ça que, pour relativiser un peu, il n'y a pas de chapitre dédié, mais c'est un peu partout. Cette livraison donc limitera sa contribution à ce que l'on pourrait appeler une approche essentiellement grammaticale de la préposition, privilégiant donc les propriétés syntaxiques, par contraste avec la plupart des travaux contemporains consacrés à la définition de son identité sémantique. Et c'est généralement, c'est ce que l'on a dans la GMF principalement. On commencera par présenter les critères formels susceptibles de définir la catégorie, un classement des propositions, la prise en compte des distributions, un ensemble de réflexions concernant les prépositions dites vides, à, de et en, dites aussi incolores, hein, qui sont les prépositions les plus fréquentes de la langue française, et ce, depuis l'ancien français. Statistiquement, elles dominent tous les classements largement, très largement. Je crois qu'à elles seules, c'est quelque chose comme 75 à 80% des prépositions d'un texte, à, de et en, c'est massif. Une présentation de l'apport de la linguistique allemande, etc., etc. Bref, la présentation de l'ouvrage, de ce numéro de langue française que, voilà, je vous recommande si vous vous intéressez à cette question de la préposition, si vous êtes curieux. Il a l'avantage d'être écrit assez simplement, toutes choses égales par ailleurs. Enfin, c'est vraiment... voilà, une revue, un numéro que je trouve assez accessible, y compris pour des personnes qui ne sont pas nécessairement linguistes ou qui n'ont pas de connaissances en linguistique. Donc si vous vous intéressez à ce type, voilà, de questions, vous pouvez voir un peu ce que l'on peut faire avec un outil de langue. Voilà, je vous recommande ce numéro, bon, qui s'appelle donc « Énigmatique préposition », hein, le titre de ce numéro de revue. « Énigmatique préposition », ça fait très... on dirait presque le titre d'un roman d'Agatha Christie, ou d'un roman policier, je sais pas. Donc, définition générale de la catégorie. La préposition est habituellement définie comme un mot invariable, introduisant un syntagme nominal, nom, pronom ou groupe équivalent, et formant avec lui un syntagme prépositionnel. À moi, après Paul, avec mes obligations, malgré cette récente théorie, sont des syntagmes prépositionnels, respectivement introduits par à, après, avec, malgré. La préposition établit un lien de dépendance entre le syntagme dont elle est la tête et un autre constituant. Enfant dans un enfant à moi, courir dans elle court après Paul, enclin dans enclin à l'indulgence, la phrase le problème n'est pas résolu dans malgré cette récente théorie, le problème n'est pas résolu. Ce lien de dépendance se voit au fait que le choix du complément de la préposition ne dépend pas que d'elle. D'un point de vue sélectionnel, donc, c'est-à-dire la combinatoire, hein, la façon dont les outils de langue sélectionnent
et distribue les autres mots qui les entourent directement. A peut, a priori, être associé à un syntagme nominal dont le nom désigne ou non une personne, mais à la suite de l'adjectif enclin, la préposition ne peut être associée qu'à un nom animé. Hein. Enclin à l'indulgence, mais on ne peut pas dire enclin au chef de service, par exemple. Donc déjà, on voit que ce n'est pas seulement enclin qui détermine la préposition, c'est également la nature ici sémantique du complément prépositionnel qui va bloquer hein, la combinaison. De même, sur le plan de la sous-catégorisation, après peut a priori être suivi d'une phrase, après que Paul C se soit endormi selon le registre de langue, mais n'est plus comprise comme régie par le verbe dans elle court après que Paul se soit endormi. C'est courir qui, dans son emploi courir après quelqu'un, sous-catégorise en fait le complément de la préposition. Cette interrelation avec le reste de la phrase, qui évoque la transparence des verbes auxiliaires ou semi-auxiliaires, n'est donc pas propre à sauf, excepté hors ou hormis, qualifié pour cette raison de préposition à sélective. Donc, c'est-à-dire qui ne sélectionne pas. Ah, par rapport aux autres mots invariables, donc vous savez qu'on distingue généralement, structurellement, dans les parties du discours, dans les catégories grammaticales, les mots dits variables d'un côté, comme les noms, les adjectifs, les verbes, les déterminants, et de l'autre les mots dits invariables, hein, préposition, conjonction, interjection, etc., qui ne changent pas hein, de forme dans l'énoncé. La préposition est traditionnellement opposée à l'adverbe, en ce que ce dernier n'a pas de complément, et à la conjonction, par le fait que celle-ci introduit une phrase. Le grand Larousse de la langue française distingue ainsi entre « depuis » préposition, on ne l'a pas revu depuis un mois, « depuis » adverbe, on ne l'a pas revu depuis, donc pas de complément, et « depuis que » conjonction, il se porte mieux depuis qu'il a cessé de fumer. « Depuis que » introduit une phrase. Cependant, comme le faisait remarquer Jaspersen pour l'anglais, « voir » sera toujours appelé « verbe » qui soit suivi d'un complément nominal, on a vu plusieurs appartements, absolument, ah, tu vois, ou complété par une phrase, je vois que tout a bien changé. Il en va de même de certitude, qui reste un nom, qui soit employé seul, c'était une certitude, ou non, j'ai la certitude qu'il se trompe. Ou de fier, qui est un adjectif, aussi bien dans Paul est fier de ses enfants, Paul est fier qu'on ait élu président. Selon cette perspective, depuis est toujours préposition. Que ce soit dans « on ne l'a pas vu depuis un mois », « on ne l'a pas vu depuis » et « on ne l'a pas revu depuis que sa femme l'a quitté ». Certains mots que la tradition étiquette de diverses manières constituent donc, selon l'analyse adoptée, une seule unité, la préposition « depuis ». Là encore, c'est des questions de métalangage, hein, de cohérence interne du système, qui peut sembler effectivement un peu... Voilà, de l'ordre du détail, mais c'est avec ces catégories que l'on pense l'effet de grammaire. Donc si on change les catégories, on change l'effet de grammaire. Donc c'est quand même assez intéressant hein, de considérer les choses de cette façon. Donc... comme les autres catégories, verbes, noms, adjectifs, les prépositions ne connaissent pas toutes indifféremment les différents types de complémentation. Hein. A, chez, de, des, malgré, par, parmi, pendant, sauf sont obligatoirement transitives, hein, c'est-à-dire qu'on doit forcément les faire suivre d'un complément. Hein. On ne peut pas dire en langue standard « je vais dormir chez ». On attend une suite. Alors que d'autres admettent l'emploi absolu que soit forme de variante. Hein. Dans le coffre, dedans, hors les murs, dehors, sous la commode, dessus, sur l'étagère, sur l'étagère, dessus. En sachant que cette division est assez récente dans l'histoire de la langue française, elle date plus ou moins de l'époque classique, du 16e, 17e siècle. Auparavant, on disait encore, on n'avait qu'un seul outil, dedans le coffre, dehors les murs, dessous la commode, qu'on peut encore dire, dessus l'étagère, hein, sans difficulté et sans affectation aucune. Et c'est au fur et à mesure que ces prépositions un peu plus simples hein, se sont construites dans l'usage. Certaines acceptent un complément en que, après que, avant que, etc. D'autres ne le peuvent qu'à l'aide de ce que,
à ce que, de ce que, en ce que, parce que. Hein, il consent à ce que l'on se marie versus il consent à que l'on se marie. Elle se plaint de ce qu'ils font du bruit versus elle se plaint de qu'ils font du bruit. Plutôt que de considérer qu'on a là une proposition conjonctive, introduite par préposition, on admettra que l'on a en fait un syntagme prépositionnel, hein, où la préposition a pour complément un syntagme nominal. Ce complété par une subordonnée, que l'on se marie ou qu'ils font du bruit. C'est encore une fois des questions de métalangage, mais ça semble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cohérent dans ce type de phénomène. Préposition et adverbe. Alors là aussi, c'est une distinction avec laquelle j'ai toujours été un peu mal à l'aise me concernant, et surtout quand je devais l'expliquer aux étudiants et aux étudiantes. Bon, on sent que ici, le métalangage n'est pas satisfaisant. La reconnaissance d'un emploi absolu pour la préposition conduit à reconfigurer la classe des adverbes telle qu'elle est définie et à distinguer ces derniers des prépositions. Si certains adverbes sont susceptibles, comme la préposition, de se construire avec un syntagme prépositionnel ou une phrase, hein, parallèlement à moi, cependant que nous parlions, ce qui est distinct des prépositions, c'est qu'ils ne peuvent régir un syntagme nominal. Hein. Ils roulent parallèlement à moi, cependant notre conversation, le dîner se préparait. Il roule parallèlement moi. Les adverbes interrogatifs peuvent être suivis d'un syntagme nominal, mais qui n'est pas analysable comme leur complément, hein, dans le cas d'une question écho, lorsque l'on conteste une affirmation antérieure. Dans C'est Pierre qui accompagnera Marie, pourquoi Pierre? Pierre est une citation, pourquoi dis-tu Pierre? Hein, c'est ce qu'on appelle une question écho. Par exemple, si je dis il habite à Paris, et qu'on dit il habite quoi? Ça ne veut pas dire que habiter devient transitif ici, c'est que on demande un complément d'information ce qui porte sur le dit, hein, sur le dire et non pas sur le dit, hein, sur la forme de la question et non pas sur son sens lui-même. De même, dans C'est Pierre qui accompagnera Marie, comment ça, le pronom mentionne en l'anaphorisant ce qui précède en tant que c'est dit. Le démonstratif n'a pas la même connotation dans je compte partir bientôt, quand cela ou cela, mais il reprend le propos précédent. Quand ou bien où, interroge sur le moment ou le lieu, cela, ça, anaphorise le prédicat partir. Si les adverbes n'ont pas de complément nominal, en revanche, ils ont pour propriété de pouvoir apparaître sans pause entre l'auxiliaire et le participe passé, ou entre le semi-auxiliaire et l'infinitif, tandis que les prépositions à complément nul, pardon, ne tolèrent pas cette place. Il a peut-être eu de la chance, elle a beaucoup voyagé, je dois bientôt partir, mais non pas on a pour voter pour, on a voté pour, il est derrière passé pour, il est passé derrière, on va avant dîner pour, on va dîner avant. Ces propriétés permettent de dissocier la préposition, hein, qui peut introduire un syntagme nominal versus ne peut se placer entre l'auxiliaire et le verbe. Et d'autre part, l'adverbe, il n'accepte pas un syntagme nominal pour complément versus il admet d'être situé entre l'auxiliaire et le verbe. J'ai parallèlement écrit un autre article, nous avons cependant parlé de la question. Donc ici, c'est vraiment de la méthode de grammaire pure, hein, qui est observée depuis l'Antiquité, depuis les plus vieilles traces de grammaire que nous ayons, hein, voilà, de l'Antiquité romaine, de l'Antiquité grecque. On prend des mots, on les déplace un peu partout dans la phrase, et on voit qu'il y a des mots qui peuvent occuper la même place, et il y a des mots qui sont impossibles, hein, qui a des combinaisons qui ne sont pas productives. Et avec ça, vous faites une cartographie, hein, de l'intégralité des distributions des mots dans une phrase. C'est le concept fondamental, l'un des concepts fondamentaux de la syntaxe telle qu'on l'entend. Le critère de la place entre l'auxiliaire et le verbe ne rassemble cependant pas la totalité de ce que la tradition range sous étiquette adverbe, car certains ne tolèrent pas cette place, hein, en particulier les adverbes en ment. Il a acoustiquement isolé les plafonds, il faut administrativement s'inscrire avant demain. Bon. Quoique. Ça, c'est le genre d'hyperbate que je peux faire moi-même plaisamment pour justement l'hyperbate créer un effet de style que je trouve intéressant. Il a acoustiquement isolé les plafonds, j'aime bien la tournure que ça donne. Même si je sais que c'est pas permis,
je m'autorise à le faire. Je sais pas pourquoi, je trouve ça joli, cette façon de faire. On peut penser que l'antéposition au verbe est d'autant plus difficile que le verbe et l'adverbe forment une collocation, hein, isolée acoustiquement, s'inscrire administrativement. La plupart des adverbes empruntés à une langue étrangère s'accommodent mal de cette place. Hein. Il avait allegro exécuté le mouvement, ou il a cash payé la voiture, il est fissa parti, il est chousse descendu. Ça, je l'aime bien, ça. Il est chousse descendu. Ouais, ça se comprend bien, hein. Il a acoustiquement isolé. Mais c'est pas la même chose. Il y a une nuance entre il a isolé acoustiquement les plafonds et puis il a acoustiquement isolé les plafonds. Pour moi, isoler acoustiquement, c'est vraiment le geste. Il a mis de l'acoustique, enfin il a protégé contre les sons, alors qu'il a acoustiquement isolé, c'est la posture de celui qui l'a isolé. C'est-à-dire il l'a fait d'une façon acoustique. Je sais, moi, c'est la différence que je fais. Hein, il s'est administrativement inscrit, c'est pas s'inscrire administrativement, c'est-à-dire qu'il avait une disposition administrative pour s'inscrire. Alors, pour moi, il y a une nuance de sens, hein, que la grammaire fondamentale bon, n'autorise pas, évidemment, mais voilà, moi j'aime bien. Et puis, il est chousse descendu, je sais pas, moi j'aime bien, il est chousse descendu, je trouve que, voilà, ça fait partie des phrases que l'on ne dit pas assez. Hein, vous êtes d'accord, je pense, hein, c'est ça pour moi la nuance de sens. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Il est chousse descendu, je pense que ça fait partie des mots, enfin des phrases qu'on ne dit pas assez dans notre vie quotidienne. Il est chousse descendu. Et donc, je pense qu'il faut plus le dire. Vous voyez, je pense que à une dizaine de jours de l'élection présidentielle, je pense que c'est important que l'on fasse rentrer la phrase dans le débat public. Il est chousse descendu. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Bon. Il faudrait voir si cela n'est pas dû à une cohésion syntagmatique rapprochant l'association d'une collocation ou d'une expression semi-figée, payer cash, descendre chousse, etc. On peut admettre, j'ai illico fait ce qu'il fallait, hein, néanmoins. Mais ici, on peut se demander sur le statut d'illico, encore une fois, s'il s'agit d'un adverbe de phrase ou d'une collocation avec faire, surtout que faire est un proverbe, comme on dit, un verbe support. Donc, il y a des effets, je pense, un peu étranges qui se font en collocation en sémantique. Ne tolère pas non plus en général cette position les adverbes correspondant à une recatégorisation. Hein. Exclure cette phrase n'est donc pas propre aux prépositions employées sans complément, mais concerne les adverbes issus de recatégorisation. Il est bas tombé depuis qu'il a été licencié, il a content acheté son appartement, hein, content du type acheter content. Vous avez comment procéder ? Néanmoins, sont parfaitement acceptables. J'ai fort apprécié votre discours. Il a juste émis une critique, il a mal compris. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'on a quand même des cas de grammaticalisation qui est assez intéressant. Et alors, ce qui est rigolo avec ces termes-là, c'est que ce sont le genre d'éléments adverbiaux aujourd'hui, ou entre l'adjectif et l'adverbe, que l'on trouvait en position d'élément formant ou de morphème, hein, d'intensif dans l'ancienne langue avec très, hein, votre très honoré, roi, le malfaisant, etc. Juste est une création plus moderne, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe depuis les origines de la langue française dans ces éléments-là qui les apparentent à des sortes de préfixes. Plutôt qu'à des adverbes pleins, peut-être du fait de leur nature monosyllabique, ça doit aider, de leur sens peut-être un peu plus halétique, voilà, ou avec des modalités particulières. Il y a quelque chose ici qui nous échappe, je pense encore, et on ne sait pas encore trop comment les considérer, ces formes-là. La préposition et le verbe sont les seules catégories à admettre un complément direct. Certaines prépositions sont issues de verbes au participe présent, tels concernant, durant, pendant, suivant, touchant. Avec pendant, la grammaticalisation paraît complète. Hein. Dans pendant, on n'entend plus pendre, alors que pendant est historiquement le participe présent du verbe pendre, hein, que l'on a encore dans des tours un peu figés du type l'affaire pendante, par exemple, qui fait office
au sac de procédure. Alors on raconte que ça vient du sac de procédure au procès. Jadis, on mettait toutes les pièces du procès, les procès-verbaux, les preuves, etc., dans un sac qu'on accrochait au plafond. Et donc, l'affaire était pendante, les preuves étaient pendantes. Et donc, ça viendrait de là. Bon. Je pense que c'est plus une explication ad hoc qu'autre chose, mais bon. C'est ce qui se raconte. La postposition de Durand laisse penser le processus inachevé. Ah, bonne soirée. Bah, la prochaine fois, alors pas la semaine prochaine puisque je streamerai pas. La semaine d'après non plus, donc ça sera fin avril, je pense. Donc voilà, passez une bonne soirée. Merci d'être passé. Donc la postposition de Durand laisse à penser que le processus a pensé le processus inachevé, hein. Toute la soirée durant un peu trop à son gré, etc. Ce n'est pas non plus le cas de concernant, comme en témoigne la possibilité d'attachement du critique concernant Paul ou vous concernant, d'où la possibilité d'ambiguïté du fait que le participe présent est une forme verbale invariable. Ainsi, concernant Pierre, l'affaire est délicate, à deux interprétations possibles. Du fait qu'elle concerne Pierre, l'affaire est délicate. Concernant est alors participe présent, pour complément Pierre et pour sujet implicite l'affaire. Cette affaire concerne Pierre. La forme verbale peut se mettre à l'accompli. Ayant concerné Pierre, l'affaire est délicate. Recevoir un ajout propre concernant Pierre de près et ne commute pas avec une préposition pour Pierre de près, quant à Pierre de près. Ou bien, deuxième interprétation, en ce qui concerne Pierre, l'affaire est délicate. Concernant est préposition et l'affaire est interprétable, n'est pas interprétable comme son sujet. Concernant Pierre, concernant les résultats de Pierre, etc. Les prépositions suivant et touchant apparaissent également très proches des verbes suivre et toucher respectivement. Les syntagmes suivant SN, syntagme nominal ou touchant SN, pouvant s'inscrire dans un énoncé aussi bien comme syntagme prépositionnel que comme participiaux, chacun agit suivant sa logique propre versus chacun suivant sa logique propre. La réunion n'a pu déboucher sur une conclusion unanime. Touchant ce point délicat, il m'est impossible d'en dire plus, versus touchant un point délicat, il s'arrangea habilement pour dévier son argumentation. Avec les prépositions issues d'un participe passé, attendu, étant donné, excepté vu, il n'y a pas d'ambiguïté, car la forme verbale n'a pas un complément mais un sujet, normalement placé avant. Les invités arrivés plutôt que arriver les invités. Quoique arriver les invités, c'est le genre de tour d'hyperbate que on peut accepter dans le cadre de la langue littéraire. Fini les vacances, nous rentrerons à Paris versus les vacances finies. C'est vrai que c'est un peu plus étrange, mais ça me choque pas outre mesure. Il y a deux points d'interrogation donc qui marquent que l'énoncé est peu acceptable, mais encore une fois, ces degrés d'acceptabilité varie beaucoup en fonction de notre sensibilité linguistique. Et donc c'est ce qui rend d'ailleurs la difficulté du commentaire grammatical comme ça. C'est pour ça que j'aime bien travailler sur corpus. J'ai eu l'occasion d'en discuter une autre fois. Mais voilà, le corpus nous indique si cette forme est acceptable ou pas, hein, aux yeux de la grammaire. Comme souvent, la complétive comme sujet est difficilement acceptable alors que sa position de complément de proposition est naturelle. Attendu, étant donné, excepté, vu que ta mère était là, versus que ta mère était là, attendu, étant donné, excepté, vu, tout le monde était ravi. Le participe passé s'accorde, tandis que la préposition est invariable. Ta mère excepté, versus excepté ta mère, tout le monde était ravi. Malgré la proximité sémantique, excepté ne peut dans certains cas être considéré comme un participe passé. Alors là aussi, ces éléments d'accord diffèrent selon l'époque et les registres de langue. Hein. Il y a en français classique le type d'accord ta mère excepté et ta mère, c'est quelque chose que l'on va pouvoir rencontrer dans les textes du 17e encore. Chez Madame de Sévigné, auparavant, bien sûr. Donc, c'est une trace de grammaticalisation en cours. Excepté, aujourd'hui, finit par être tout à fait stabilisé, il me semble. Et finit commence également, fini les vacances.
commence à être très stabilisé et s'invariabilise au fur et à mesure du temps dans les textes. Hein. C'est-à-dire que je le vois de moins en moins bon, à ce niveau-là. Bon. Préposition et préfixe. Mais justement, nous y venons. Certaines prépositions dans la construction de mots composés, on parle alors de préfixe. Les éléments soudés n'ont pas tous les mêmes propriétés et il faut distinguer entre deux cas de figure. Une avant-garde est une garde, c'est-à-dire un groupe de personnes qui gardent Kaestor, tandis qu'un ou une avant-guerre n'est pas une guerre, mais la période qui a précédé la guerre. Dans le premier cas, le nom donne son genre au dérivé, ce qui n'est pas le cas dans le second. Un ou une avant-guerre, alors que guerre est seulement féminin. Avant donne lieu à une formation dite endocentrique dans avant-garde ou avant-poste. Hein. Avant est préfixe et garde ou poste sont des mots construits. Donc endocentrique, on garde le noyau du mot et c'est lui qui va déterminer l'élément de sens. Mais il est exocentrique dans avant-guerre, hein, ou après-ski, ou après-midi, etc. Où l'on a le sens d'abord du préfixe et puis ensuite la spécification du substantif subséquent. Selon ces critères synchroniques et indépendants de l'orthographe, il n'y a pas deux catégories étanches, mais deux modes de construction, une même forme liée, pouvant avoir un statut tantôt préfixal, tantôt prépositionnel. Sans, en revanche, n'est pas préfixe, mais préposition. Dans sans-abri, sans-culotte, un sans-le-sou, la formation est partout exocentrique et constitue autant de cas de figement de syntaxique. Les prépositions analysables dans les mots construits, comme des préfixes, excluent toutes le complément fasciste sans que, à, contre, de, sous, sur, en, entre, par, le préfixe par n'est pas le plus productif, certes, mais l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'une préposition exclut le complément phrastique en que qu'elle peut être utilisée comme préfixe. Avec, chez, dans, derrière, devant, envers, jusque, hors, parmi, près, proche, vers, les prépositions régissant un complément phrastique en que ne donnent généralement pas lieu à une préfixation. Des, hormis, malgré, outre, sauf dans outrepasser, qui est un figement très 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 précoce de la structure en ancien français. Pendant, pour, sauf dans pourchasser et poursuivre, pareillement. Sans, selon, sinon, étant admis que dans après-guerre, après-ski, avant-coureur, avant-veille, sans-abri, sans-culotte, etc. Et on n'a pas affaire à un préfixe, hein, puisque la formation est exocentrique. Un sans-abri n'est pas une catégorie d'abri. Préposition et conjonction. Les prépositions admettant un complément phrastique régissent alors un complémentaire qui introduit la phrase. Hein. Que dans les enfants sortent en criant des, que la sonnerie retentit, si dans je prévois des sandwichs pour si on a faim, selon plus quand, hein, selon quand vous arriverez, on a discuté de comment il fallait s'organiser, suivant où vous allez, il vous faudra un guide, cela dépend de combien ça coûte. Un complémentaire peut être formé en combinaison avec que, bien que, pourvu que, tandis que, hein, ce que l'on appelle traditionnellement des conjonctions ou des locutions conjonctives. Contrairement à la préposition introduisant un complément phrastique, il constitue une unité. Dans le cas de la préposition, la phrase en que commute avec un syntagme nominal à l'infinitif une phrase introduite par un autre complémentaire, voire un complément nul. Hein. Avant que la nuit tombe versus avant la nuit, pour que nous partions à temps versus pour partir à temps, etc. Mais on n'a pas de parallèle entre bien que la nuit tombe et bien la nuit, ou tandis que la nuit tombe, hein, et tandis la nuit tombe. Donc, on n'a pas toujours cette différence. Je regardais, il me semblait entendre de la pluie chez moi, il a fait de la grêle à Caen aujourd'hui. Donc voilà, j'étais un peu curieux si c'était le cas, mais ça ne semble pas être le cas ce soir. Pareillement, sont exclus pourvu ce que, tandis ce que, bien ce que, hein, alors que on a à ce que, de ce que, sur ce que, en ce que, parce que, qui s'est grammaticalisé en parce que, hein, et qui se prononce même maintenant en parce que. On a vraiment cette forme populaire, et n'eût été la pression normative. Du français, effectivement, je pense que on aurait grammaticalisé parce que en parce que au moins on registre voilà spontané depuis au moins un siècle, je pense, tant ça tombe sous le sens quand on entend.
Les prépositions qui n'ont pas de complément phrastique en que peuvent, par le biais d'un syntagme nominal, introduire une phrase. Hein. Il faut compter avec le fait que c'est un nommagé, il faut compter avec ça que c'est un nommagé, etc., etc. Donc le classement peut distinguer ainsi les prépositions régissant à que introducteur de phrase, après que, avant que, des que, hormis que, les prépositions ne régissant pas que introducteur de phrase, mais admettant le fait que, avec le fait que, contre le fait que, dans le fait que, etc. Prépositions ne régissant pas que, mais admettant ce que, à ce que, dans ce que, de ce que, sous ce que, etc. Les classes syntaxiques. Et je pense que ce sera... Non, il me reste une vingtaine de minutes. Ouais, je passerai sur les classes sémantiques qui m'intéressent moins pour cette problématique de la relation, même si c'est un sujet qui est tout aussi intéressant, mais c'était vraiment les phénomènes syntaxiques que je voulais aborder. Tête d'un syntagme prépositionnel dans lequel elle peut régir un complément de différentes formes, la préposition, comme les autres têtes de syntagme, peut être spécifiée par un ajout adverbial, longtemps avant le repas, bien après la cérémonie, ou de la forme d'un groupe nominal. 2 kilomètres avant le village, hein, on aurait même spécifié le verbe « je me suis longtemps couché de bonne heure, j'ai bien compris, je vais juste faire une croix » ou spécifiant l'adversif. Longtemps malade, bien confortable, juste chaud. Cet ensemble de propriétés n'est pas exhaustivement représenté pour tous les membres de la classe. D'une part, certaines prépositions connaissent des restrictions de sous-catégorisation. Hein. Des ne tolère pas la complémentation nulle comme derrière. Pendant n'admet pas un complément à l'infinitif. Hein. Pendant dormir n'est pas grammatical. Avec exclut le complément en que, hein, on l'a vu plus haut. Sans que cela te gêne, mais avec que cela te gêne. C'est rigolo ça, alors qu'on pourrait croire que l'on est... dans des antonymes, alors que pas du tout. D'autre part, toutes ne sont pas susceptibles de se voir modifiées. On n'a pas « ils sont tous partis bien sauf lui » comme on a « ils sont tous partis bien malgré lui ». Ces propriétés testées sur toutes les prépositions permettent une classification syntaxique qui peut déboucher sur des tendances sémantiques, lesquelles ne se réduisent pas à l'intuition spontanée qui fait parler de prépositions spatiales, temporelles ou autres. Les prépositions donnant lieu à préfixation excluent tout le complément facile en que, mais on y trouve aussi bien des prépositions monosémiques, un seul sens, hein, comme entre, que polysémiques, comme contre, sur, sous, par, ou incolore, à, de et en. Parmi les prépositions ne donnant pas lieu à préfixation et qui excluent le complément que, on a des termes à emploi spatial, hein, chez, dans, avec, dans range les fourchettes avec les cuillères, que temporel, dans 8 jours, avec le printemps, jusqu'à l'eau. Ou notionnel. Avec mon petit bouquet, j'avais l'air d'un con, hein, mais j'avais l'air ridicule par pudeur. Mais évidemment, là, c'est la chanson de Brassens, hein, c'est avec mon petit bouquet, j'avais l'air d'un con. Dans sa sagesse, il a accepté. On reste quoi devant tant de mauvaise foi, etc. Et donc, ici, représentation des articles de ce numéro. Donc je vais passer sur les classes sémantiques, hein, qui sont tout aussi intéressants, mais ce n'est pas le sujet que je voulais aborder, et je voulais terminer, voilà, hop, à ce petit paragraphe que je trouvais intéressant ici, et ce sera la fin de cette première partie. Que je trouve très représentatif de la façon dont on peut travailler sur un sujet très ciblé comme ça. Bonsoir, merci d'être là. Ainsi, le classement syntaxique des prépositions sur la base de leurs propriétés de sous-catégorisation n'aboutit pas d'emblée à des ensembles sémantiquement homogènes, à l'aune des notions intuitives, espace, temps, manière, etc. L'objectif du présent numéro n'est pas de traiter la question de l'identité sémantique des prépositions, ni de les aborder d'un point de vue diachronique, mais d'établir sur des bases structurales une situation générale de la préposition. Bonsoir, merci d'être là. Une situation générale de la préposition dans le système synchronique contemporain et d'avancer dans la caractérisation des prépositions à, de, en, sans chercher à voir dans leur emploi le témoignage d'une évolution de conceptualisation, ni celui des modes universels de représentation mentale. Le propos est plutôt de progresser
dans l'observation des propriétés proprement linguistiques. Et j'aime bien ce terme, des propriétés proprement linguistiques. Parce qu'il y a effectivement cette idée, et avec les faits de relation, ça me permettait de l'aborder, c'était cette idée que les prépositions, que ces mots de relation, et on peut faire plus ou moins la même remarque avec les conjonctions, par exemple, ou les adverbes. Hop. Que... excusez-moi, hop, je réponds. Hop. Tac. Que donc, dans le cadre de ces mots de relation, des prépositions, des conjonctions, de ce type de choses, on aurait d'un côté des phénomènes de langue, on va dire, de description, et puis de l'autre, des phénomènes un peu plus diffus, d'évolution, diachronique notamment, ou bien relevant de la cognition, de la philosophie, en vérité. Tel qu'on avait pu l'aborder il y a quelques semaines de ça, lorsque l'on avait parlé de la catégorisation de l'adjectif, de la catégorie de l'adjectif, ou plutôt de la notion d'adjectivité chez Aristote. Hein. Donc, hop, si je redonne la vidéo ici. Et donc, ce sont des concepts qui finissent en réalité par s'émanciper l'une comme l'autre du domaine des sciences du langage. C'est-à-dire que évoquer des catégories sémantiques nous fait immédiatement dériver vers la cognition, la pragmatique, et donc vers la philosophie du langage, alors qu'aller du point de vue de la diachronie, et donc de la grammaticalisation, de la pragmaticalisation des prépositions, la façon dont par exemple des compléments des prépositions sont issus de participes présents, hein, pendant, durant, etc., qui vont finir par s'émanciper de la catégorie verbale pour se comporter structurellement comme autre chose, nous amène en réalité du coup à voir les évolutions d'une façon continue, et donc finalement à développer une posture un peu, j'allais dire, quantique. C'est le terme que j'apprécie en ce moment pour expliquer ça. C'est-à-dire que les frontières entre les catégories sont un peu flottantes. C'est-à-dire la différence entre une préposition, un adverbe, entre un verbe, un nom, etc. sont incroyablement floues pour un diachronicien, puisque il suffit de quelques siècles pour que ces divisions se floutent, hein, se nuancent et disparaissent finalement. Donc un diachronicien voit le système de la langue comme un système qui est en perpétuelle mouvance, en fait. Et c'est un peu comme une particule, hein, qui bouge tout le temps, mais si vous l'observez, elle se fixe. Hein, vous fixez sa vitesse ou sa position. Bah, un état de langue, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et si vous l'observez, tout d'un coup, tac, vous le fixez dans des bornes délimitées. La grammaire, la propriété... syntaxique des phénomènes structurales finit du coup par créer ce type de nuance qui peut qui est important, c'est-à-dire de se positionner dans un état très surplombant et de faire l'inventaire des propriétés de la façon la plus exacte possible pour avancer dans la discussion, parce que ça permet finalement d'avancer dans la discussion, parce que ça permet de repérer du coup des propriétés, des positionnements, des associations qui nous seraient inaccessibles en diachronie dans l'histoire de la langue, parce qu'on ne travaille que sur des occurrences attestées par définition. On ne peut pas s'autoriser à modifier la place des mots dans un texte du XVIIe siècle et puis à juger de leur grammaticalité. Ça nous est inaccessible. On ne peut travailler que sur des témoins du temps. Et donc, ce faisant, bah, on se ferme sur des critères de validation, de vérification, que l'on pourrait pourtant observer en diachronie, en synchronie,
Et donc c'est pour ça que cette étape de cartographie, les propriétés distributionnelles d'une catégorie comme la préposition, de voir ce qu'il est possible, impossible de faire, nous est une grande aide pour la recherche fondamentale. Puisque c'est finalement avec ces nouveaux critères que l'on peut regarder à nouveau ce qui se passe dans les textes du passé par exemple, et voir ainsi quelles étaient les variations par rapport à ces différents phénomènes, et donc avancer globalement dans notre connaissance. Bon. Quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter ici. Donc, je redonne la référence de cet article, préposition du français état des lieux. C'est l'introduction du numéro de langue française, numéro 157 de 2008, que vous pouvez trouver sur Cairn librement à l'URL que vous voyez ici, qui est dans le tweet d'annonce du stream et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Alors, une question. Donc j'étais en train de réfléchir sur « Fini les vacances, on rentrera à Paris », qui me dérangeait. Je pense que personnellement, la phrase ici, j'ai beaucoup de mal à la lire. J'ai plus l'habitude de voir la structure « Fini, fini les vacances autonomes », mais du coup, sans le sens d'anticipation. Ouais. L'impression que ça brouille ma lecture de mettre « Fini » en premier après une subordonnée. Sinon, peut-être que ça court-circuite. Peut-être qu'il y a effectivement une inférence de... De cette part-là, effectivement, avec le passif. Peut-être qu'il y a effectivement un conflit entre deux interprétations contraires qui se passent. Fini les vacances, on rentrera à Paris. C'est une structure qui est un peu datée. Donc, peut-être que c'est ça. C'est une structure qui me semble un peu datée également. Mais effectivement, fini les vacances, je l'emploierais moi aussi plutôt en emploi absolu, je pense moi-même. Effectivement. Faudrait voir dans les corpus comment ils sont ces structures-là sont employées. Effectivement. Hop, je réponds à un petit message et ensuite nous passerons à la suite de notre stream. J'en profite également pour revenir avant de commencer la deuxième partie du stream. On va fermer les volets. Donc, et oui, elle est derrière, elle fait ça mignonne. Je lui ai acheté une petite carotte avec de l'herbe à chat en ce moment. J'ai l'impression que ça lui fait énormément de bien.
Hop, elle se détend, elle est tranquille, elle est plus fluff que jamais. Ma petite patate à moi. Hop là. Donc, on va arrêter la musique ici. Hop là, et je vais lancer donc notre jeu de ce soir, Banjo Kazooie, sorti en 1998 sur Nintendo 64 et développé par Rareware. Et c'est un jeu. Si, c'est la saison des pertes de poils, alors je l'ai brossé une fois, histoire de nettoyer voilà, les poils qui perdaient. Et depuis, elle n'en perd plus. Donc elle a fait vraiment un très très joli poil, un très très beau fluff. Voilà, c'est la reine du fluff. Hein, mon petit chou? Oh, que tu es mignonne, ma fille. Tu es la plus belle. Hop. Tac. Ok. Alors. Donc, hop, lançons le jeu. Hop, Banjo Kazooie. Tac. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben voilà le jeu qui ne fonctionne pas. Émulation démarrée. Que t'arrive-t-il? Tu marchais très bien auparavant. Eh bien, dis donc. Action de mémoire inconnue. Ah. Que se passe-t-il avec Banjo? J'y ai rejoué il y a encore quelques jours sans difficulté aucune. Que. Est-ce que vous voyez? Oui, le plein écran, c'est parfait. Hop, il y a eu une petite difficulté, je ne sais pas pourquoi, à l'ouverture du jeu. Donc, Banjo Kazooie, jeu de plateforme. Hogwarts Legacy. Ah, c'est le truc d'Harry Potter, je crois. Non, je déteste la licence Harry Potter. Enfin, je n'ai pas vraiment d'appétence pour ça. Donc, non, je pense pas que j'y jouerai particulièrement. Et les sorties récentes, plus ou moins récentes, d'ailleurs, de J.K. Rowling sur tout et n'importe quoi, ne me convainquent absolument pas de m'y plonger davantage. Bon. J'augmente un peu le son. Vous me dites si vous entendez toujours ma voix par-dessus la musique du jeu ou pas du tout. Est-ce que ça va niveau sonore ou bien vous désirez que je baisse un peu, vous me dites. Je vais le rapprocher un peu. Hop. Super, parfait.
Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude lorsque je commence un nouveau jeu, je ne vais pas commencer la partie du début, puisque j'avais déjà bien avancé dans mon jeu. Je l'ai vraiment. C'est vraiment un jeu que j'ai redécouvert ces derniers temps, en étant soufflé de la qualité de l'émulation pour Banjo-Kazooie. Le jeu est vraiment très beau. Donc j'ai déjà fini les 7 premiers mondes à 100%, comme vous le voyez. Et donc là, nous sommes à l'avant-dernier monde, le Rusty Bucket Bay, la baie du Rusty Bucket, qui est en fait un paquebot situé dans un port. Donc, je vais parcourir ce monde avec vous en vous expliquant progressivement le concept d'un niveau de Banjo-Kazooie, donc qui est un jeu en trois dimensions, comme vous le voyez, jeu de plateforme action, dans lequel nous explorons différents mondes pour collecter différents objets qui nous permettent du coup d'accéder à des environnements divers et variés, et à débloquer progressivement des niveaux pour atteindre la fin du jeu. Je vais m'autoriser également à utiliser les sauvegardes d'état, puisque c'est un jeu, c'est un niveau, celui-ci, qui peut être un peu retors. Je sais pas comment je suis censé récupérer ce token, parce qu'il me semble un peu haut. On verra. Hop. Tac, 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 tac. Et donc, on va explorer donc ce port de bout en bout en essayant de collecter tous les objets que l'on trouve. Hop là. Ah, Banjo. Cette eau est sale, elle est polluée. As-tu du mal à respirer? Donc là, c'est une eau polluée qui nous fera perdre de l'oxygène même si on nage à sa surface, puisqu'il y a de l'essence qui est à la surface. Donc on va essayer, voilà, de récupérer un maximum d'objets avec cette idée que tous les objets que l'on va rencontrer dans Banjo-Kazooie sont en relation les uns avec les autres. En relation, ça veut dire quoi? Eh bien, dans un jeu de plateforme comme celui-ci par exemple, récupérer une pièce de puzzle comme celle-ci, c'est se mettre en relation avec des puzzles que l'on va trouver dans l'aventure et qui nous permettent d'accéder à de nouveaux mondes. Les œufs nous permettent de débloquer différents objets, les notes de musique que l'on voit en face nous permettent d'ouvrir des portes dans le hub du jeu, hein, qui est un antre de la sorcière, hein, qui a enlevé notre sœur, et c'est d'ailleurs l'histoire du jeu. Hein. Il va falloir essayer de libérer notre sœur des griffes de la sorcière Gruntilda. Hop, là on voit qu'il y a un poisson carnivore dans l'eau. Hop, je crois pas qu'il y ait autre chose ici. Ah, 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 mince. Oh, tiens. Oh, remince. Remince. Ah, hop. Alors, par contre, là, il va falloir... Je peux pas remonter, je pense. Il va falloir que je... Ah, je peux peut-être passer de l'autre côté. Hop. Hop. Toujours la faute des sorcières. Tout à fait. Oh, dis donc. J'ai beaucoup de mal à sortir mon attaque ce soir. Hop. Donc, tout ce que l'on a dans le jeu ici est en relation constante les unes avec les autres. Et c'est justement cette mise en relation qui va nous permettre, in fine, de parcourir l'aventure comme on le souhaite et de réussir, hop, à remplir les différents objectifs de jeu que l'on doit atteindre. Avec toujours cette idée que si l'on n'arrive pas à remplir un objectif du jeu, c'est qu'il nous faut mettre en relation des éléments divers, des pièces de puzzle, des choses comme ça, des notes de musique, des plumes, des œufs. Hein, il y a plein de petites choses. Hop là. Sous cette eau, ton air, plus vite, tu perdras.
Ah là là. Décidément, la baie du Rusty Bucket n'est pas un endroit très hospitalier pour les ours que nous sommes. Donc la construction du jeu tel que l'on va l'avoir ici implique à ce moment-là un tissage de relations d'objets les uns avec les autres qui font du coup la spécificité du jeu au regard. Hop là. Mais je vais pas mourir quand même. Je viens juste de commencer le niveau. Tonnerre. Allez, sors de là, Banjo. Banjo. Mais où est-ce que t'es? Je vois pas du tout où est-ce qu'il faut que je sorte. Ah, je crois qu'il y a un passage dans le... Ah. Là, il y a un trou ici, mais il y a également un trou ici. On va essayer de rentrer dans l'autre trou, du coup. J'ai déjà plus de vie. Et donc, la complexité d'un jeu, j'avais déjà abordé cette notion de complexité périodiquement, peut également dépendre de ce tissage que l'on va avoir de relations. Oh, ouais. Hop, là, je me rappelais que les bouées étaient méchantes. De ces relations diverses et variées que l'on va avoir dans ce jeu d'aventure, avec l'idée, peut-être un peu bizarre ou un peu faussée, que plus un jeu aurait d'objets à collecter, plus les relations de complexité les reliant vont être élaborées. Et donc plus ces relations sont élaborées, plus on aura tendance à considérer le jeu comme dur à terminer, riche, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas nécessairement quelque chose de vrai, dans la mesure où un jeu peut être complexe sans avoir énormément de choses à récupérer ou à... peut avoir de choses à récupérer ou à collecter. Un jeu comme Tetris, en soi, peut rapidement devenir complexe dans les différents objets, les différentes combinaisons de pièces qu'il nous autorise d'avoir. Mais il ne sera pas considéré comme un jeu dont les objets sont nombreux, évidemment. Il n'y en a pas dans ce cas de figure. A l'inverse, un jeu peut être complexe dans les schémas de relations qu'il propose, hop là, mais il peut en devenir à ce moment-là impossible à jouer, à contrôler. Hein. C'est ce que l'on a dans beaucoup... dans beaucoup de jeux de la période de la 64, hein, de Banjo-Kazooie et de Rareware en particulier, et bien dit, dans lequel le nombre d'objets à collecter pouvait devenir rapidement impossible à suivre. Hein, on pense à un jeu comme... comme Banjo-Tooie, hein, la suite directe de celui-ci, ou Donkey Kong 64, ou en plus des... est-ce que je peux passer par là? Yep. Parce que je voulais faire... Non, je suis pas sûr que je puisse passer par là. Bon. Où l'on va trouver, aux côtés des objets traditionnels que l'on a dans ce jeu, c'est-à-dire les notes de musique, les pièces de puzzle, les œufs, etc. On va trouver à côté de ça d'autres types d'objets. Ah, voilà. Ah, laisse-moi crunchy. On va trouver d'autres types d'objets, divers et variés, même parfois un peu absurdes. Des insectes, 5 types différents d'œufs,
du cas, des doublons, des piles, des hot dogs, des choses comme ça, bref, un nombre incalculable d'objets à récupérer, tant et si bien qu'au bout d'un moment, faire ce type de jeu, les finir, peuvent s'apparenter à du travail. Hop, c'est pas par là que je voulais aller. Peuvent s'apparenter à du travail. Il y a des niveaux de Banjo-Tooie ou de Donkey Kong 64, de ce que l'on a appelé les collectatons, hein, à proprement parler, qui peuvent devenir très fastidieux, et il faut que vous ayez une checklist devant vous pour savoir précisément ce qui vous manque, où est-ce qu'il faut aller le chercher, où il faut aller le chercher, et ainsi de suite. C'est vraiment des façons de jouer qui peuvent être assez fastidieuses et que personnellement je ne peux plus vraiment faire aujourd'hui. C'est quelque chose que je pouvais faire à l'époque quand j'étais jeune. J'en ai fou, hein, évidemment, comme toujours. Mais voilà, où j'avais beaucoup de temps à perdre, va-t-on dire, dans ma vie, et où... hop, hop. Un petit... hop, une petite zone de déchets radioactifs, à ce qu'on dirait. Hop là. Ah. On va essayer de ne pas perdre de vie. Le niveau est déjà suffisamment complexe comme ça. Mais aujourd'hui, où mon temps de jeu est beaucoup plus segmenté qu'il ne l'était à l'époque, où je dois compartimenter mes temps de jeu dans mon quotidien, en relation avec, oh là, tac, en relation avec mon travail, avec ma vie privée, avec... voilà, avec Bergamote, hein, qui me demande énormément de temps et de soins, évidemment, hein, comme on peut s'en douter. Bon. Hein, mon chou, oui, tu demandes plein d'attention. Oui. Je peux plus m'autoriser, je ne peux plus jouer à des jeux comme ça, d'une façon longue. Hein. Bonjour, la case de TST. Au revoir, la case de TST. Du moins... pas sans avoir une arrière-pensée en me disant que mon temps serait peut-être un peu mieux occupé si je n'avais pas à, à remplir des checklists d'objets stupides à récupérer au fur et à mesure. Bon. Alors, je me demande si... alors, ça, je sais que ça lève la caisse qui est en face, le Jiggy, mais je crois que c'est une épreuve chronométrée, donc je la laisse pour un peu plus tard. Donc cette question des relations, hein, de la façon dont un objet va en déterminer une autre dans... hop, ouais, d'accord. Hop, donc là c'est juste pour faire ça. Dans la complexité donc des jeux qui se calculent selon ces termes de relations, va varier non seulement selon l'identité, oui, il y a un peu une idée comme ça, va non seulement différer selon l'identité du jeu lui-même, mais également selon l'investissement que l'on va pouvoir y mettre, hein, investir dans un temps de jeu plus ou moins... ah, caméra, plus ou moins attentif. Hop. Ce qui fait qu'il est très difficile, en fait, stricto sensu, de d'envisager un jeu comme Banjo-Kazooie comme étant un jeu fondamentalement complexe. Hop. On va tuer les abeilles, je sais qu'on en manque en ce moment, mais ouais, j'ai besoin de vie. Fondamentalement complexe dans la mesure où sa complexité n'est pas seulement indexée sur les relations d'objets qu'il crée dans son identité propre, mais également en fonction de notre disposition, de notre habitude du genre, et également, et c'est ce que je disais déjà dans mon émission de ludographie de ludographie tout court le concernant, hop, tac, de ludographie le concernant, de l'âge du jeu. Et il y a des jeux dont la complexité peut s'amoindrir ou s'augmenter avec le temps, et avec l'énergie que l'on est prêt à déployer pour le faire.
ou ne pas le faire. Un jeu comme Zelda, par exemple, le tout premier Zelda, The Legend of Zelda, sorti sur NES en 86, était un jeu qui, à l'époque de sa sortie, était très complexe pour tout un chacun, ne serait-ce que parce que il initiait un certain nombre de concepts dans ses énigmes qui n'avaient pas encore été vus, ou pas franchement. C'est-à-dire le fait de pousser un bloc, par exemple, pour ouvrir une porte ou tuer tous les ennemis d'une salle. Est-ce que je peux te tuer comme ça, toi? On va te faire tomber des œufs dessus. Haha! Pop, pop, pop. Le fait ainsi. Ah! J'avais pas vu qu'il y avait encore une case. Ah! Mais dis donc, faut arrêter ici. Je crois pas qu'il y ait autre chose en fait dans cette pièce. Je me fais avoir, mais. Donc il initiait un certain nombre de concepts qui étaient assez novateurs pour l'époque, que les joueurs et les joueuses ne connaissaient pas alors. Et qui paraissaient effectivement très complexes. Mais quand vous avez plutôt aujourd'hui un autre jeu comme Zelda qui demande d'opérer les mêmes phénomènes de pousser un bloc pour ouvrir une porte ou tuer tous les ennemis d'une salle pour déclencher un mécanisme ou que sais-je, bon, ces éléments-là ne nous paraissent plus complexes puisque nous avons déjà fait ce travail de mise en relation des éléments entre eux tant et si bien. Oh là. Tant et si bien hop, que l'on ne prête même plus attention à cette codification du gameplay. Hein? On sait que quand on va trouver un bloc dans un Zelda, on va avoir la tentation, il va falloir essayer de le pousser pour débloquer un événement. On ne sait pas si ça le fera, mais on sait que c'est probable. Il faudra tuer tous les ennemis d'une pièce pour débloquer tel ou tel phénomène. Il y a un jeton de Mambo ici. Ah. Bref, on a déjà fait ce travail interprétatif là. A l'inverse, des jeux qui, à l'époque, pouvaient nous paraître plus ou moins simples, parce que la façon de procéder était plutôt intégrée dans l'univers, dans le paysage d'alors du jeu vidéo, peuvent nous paraître aujourd'hui plus compliqués, parce que nous avons perdu cette habitude-là. Par exemple, de refaire plusieurs fois une section de jeu sans sauvegarde, ou bien d'aller chercher le point faible d'un boss ailleurs que dans sa tête, ou dans une tentacule, ou que sais-je, une queue. Bon, parce que, à l'époque, il n'était pas nécessaire de trouver ces astuces-là pour vaincre un boss. Et il fallait peut-être tout simplement parfois insister jusqu'à ce qu'on puisse le vaincre. C'était ce qui se passait, ce qui se passe parfois dans certains combats. Ah, là, il va falloir que je passe par le navire pour continuer. Ok, donc du coup, on va profiter pour faire l'épreuve de la crue. Donc, la complexité est affaire de relations, mais de relations qui n'est pas toujours endocentrique au jeu, c'est-à-dire des éléments de gameplay, d'objets à récupérer et ainsi de suite, qui en font partie, mais également de relations entre le jeu et le joueur, ou entre le jeu et l'époque de sa sortie, dans un sens assez large. Et c'est pour ça que cette notion de complexité est malgré tout à saisir avec beaucoup de nuances. Hop, va-t-on dire. Puisque l'on ne peut pas en faire une cartographie exacte. Hop, allez, on va essayer de choper le Jiggies avant que... Ah ! Caméra ! La caméra est l'un des ennemis de Banjo les plus terrifiants. Quand elle commence à changer. Hop là ! Super ! Donc c'est pour ça que cette notion de complexité est difficile à appliquer dans le cadre du jeu vidéo et on ne peut pas se
contenté d'avoir une approche purement synchronique de la chose, et il faut considérer quelque chose de plus vaste pour le décrire. Je suis le roi du monde. Donc rentrons un peu dans le Rusty Bucket Bay. Donc moi, finalement, je vais finir par la grue, donc on va faire d'abord le tour de ce côté-là. Est-ce que t'es... Ouais, t'es une méchante... C'est une méchante grille d'aération. Est-ce que je peux te... Je suis pas sûr que je puisse te tuer, toi. Donc, hop, on va avancer. Hop, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le Rusty Bucket Bay. C'est vraiment un bateau très vaste. Et notamment, on peut casser les hublots pour rentrer dans certaines salles à l'intérieur du bateau. Ça, j'ai mis énormément de temps avant de le savoir. Hi! Hop, ah! Hop là, on va tuer les marins. C'est un niveau que j'aime. Je trouve que au niveau design, ce niveau fonctionne extraordinairement bien. Mais alors, c'est vrai qu'il est assez compliqué à faire à 100% pour la première fois. Moi, je m'étais vraiment cassé les dents la première fois pour finir le jeu. Alors là, j'ai là, hop là. Là, j'ai des sauvegardes d'état qui me permettent de recommencer des épreuves si je les rate. Mais à l'époque, sur une vraie console, si vous n'avez pas les sauvegardes d'état, il faut faire toutes ces épreuves. Voilà, sans s'y tromper, hein, sans erreur. Les notes de musique, il faut toutes les collecter en une seule fois. Si vous mourrez avant de les avoir collectées toutes, eh bien, il faut recommencer de zéro. Alors, ici. Non. Est-ce que toi, t'es une gentille bouche ou t'es une méchante bouche d'aération, toi ? Je sais plus. T'es une gentille bouche d'aération, ok. Donc on va en profiter pour hop, revenir ici. Nous sommes à l'entrée du niveau. Est-ce que j'ai exploré ce coin-là d'ailleurs? Tiens. Je crois... Non, je l'ai pas exploré encore ce coin-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Si, parce que là, ça donne... Non! Ok, ça donne de l'autre côté. Hop. On va explorer ici avant. Donc voilà, si on récupère pas ces 100 notes de musique éparpillées un peu partout dans le niveau en une seule fois, on est obligé de refaire tout le niveau. Hein, si on veut les avoir totalement, les 100%. En sachant que on veut avoir tous les derniers secrets du jeu, il faut avoir les 900 ou pas loin des 900 notes de musique du jeu. Pour pouvoir débloquer les tout derniers bonus et secrets que l'on va avoir. Donc ça, c'est une épreuve que j'avais faite à l'époque. Hein. Je dois encore avoir ma sauvegarde dans mon jeu N64 qui est derrière moi pour en attester. Je ne sais pas combien d'heures de jeu cela m'a pris. Et je l'avais fait à l'époque avec une Solus également, puisque il est assez difficile hein, de finir ce jeu sans Solus. Voilà, bon... C'est assez compliqué. Alors, hop. Est-ce que toi, je peux te tuer comme ça? Ouais, super. Donc, on va être méthodique dans l'exploration. Vous voyez que je suis très méthodique dans l'exploration du Rusty Bucket Bay. Parce que j'essaye, autant que faire se peut, de ne rien oublier. De la... Alors, toi, t'es une méchante. Hop. Deuxième note. Troisième note. Rusty Bucket Bay, Tri-Cross, England. On sait que le bateau... Combien Banjo est petit alors que c'est un ours qui doit être grand dans mon imaginaire. Ouais, il est... Ou alors c'est le bateau qui est énorme, hein. On ne sait pas. Hein. Je ne sais pas, Tri-Cross, je crois que c'est en lien avec le développeur Rareware du jeu. Je me demande si leur premier pôle administratif n'était pas en... justement à être Tri-Cross England. Donc c'est une petite référence à ça, ce qui me semble. Hop.
Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Si on monte, là je sais que l'on explorera la soute avec les caisses pour battre un boss. Mais on le débloquera plus tard. Hop, ah voilà, c'était le chiffre que je voulais pour activer. 312, 111. On retient, on aura besoin de ça. 312, 111. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, hop là. On va explorer ici. Est-ce que c'est les cuisines là? Non, c'est les couchettes. Après, je ne sais pas si la géographie, la topographie du navire respecte bien celui d'un cargo, voilà, comme celui qui l'affecte d'être, mais dans tous les cas. Alors là, on peut voir un petit easter egg. Hop, c'est la copine de Conker's, qui deviendra donc Conker Bad Today, le jeu irrévérencieux de N64, mais qui à l'époque est en développement sous le nom de 12 Tales, qui est un jeu beaucoup avec Conker, qui est un écureuil beaucoup plus mignon. Et donc, le jeu étant en développement, il y a quelques petites références de ci, de là. Donc c'est bien ça, donc c'était bien une référence à... au siège social de Rareware. Alors, hop, bah je peux pas monter ici. Bah, on va monter rapidement à l'étage, mais juste pour pouvoir aller de l'autre côté, sans forcément ramasser les notes si je peux, pour... Ah, allez, on va ramasser ces notes-là. Alors, c'est toujours très impressionnant, j'ai vu des speedruns du jeu ce week-end, enfin le week-end dernier, et la vitesse à laquelle les spécialistes du jeu le font à présent... voilà, sans y regarder, avec un chemin qui est très bien pensé, sans difficulté aucune, sans repasser deux fois par le même endroit, etc. Bon, ça laisse pour toi. J'ai toujours aimé aussi ce petit, hop, cette petite literie avec, hop, avec des encres. Je l'ai toujours trouvé très mignonne. Il y a un petit tableau là du Rusty Bucket Bay en mer. Je ne sais pas pourquoi on voudrait avoir ça dans la chambre. Hop! Et nous avons ici. Hop! Notre deuxième Jiggies! Proum! Ah ah ah! Continuons notre exploration. Hop! Donc ici ça se casse pas, ici il n'y a que des œufs. Et nous revenons du coup là où nous étions tout à l'heure. Donc du coup vous avez remarqué qu'il y a certaines bouches d'aération qui n'essayent pas de nous manger. Ça veut dire que l'on peut rentrer dedans. Donc on va explorer du coup, hop, les sous-sols. Enfin les cales, caves. Je sais pas comment on peut appeler... je sais pas comment on appelle le dessous d'un bateau. Oui, c'est les cales, je pense, non? Je ne sais plus. Alors ici, je pense qu'il n'y a que des œufs. Les œufs sont au frigo, ce qui est assez attendu, effectivement. Et il y a des sortes de ragoûts pas bons, ici. On se demande bien ce qu'ils sont en train de manger. Une cale, oui, bah alors, va pour la cale. Le couteau, et alors là c'est rigolo parce que du coup c'est la gazinière, et si on marche sur la gazinière, bah on se brûle. Là vous voyez c'est rouge là, donc il faut pas s'amuser à rentrer dans la gazinière. Et pareillement là, si on veut récupérer le token qui se trouve dans le four, hop, il faut penser à se protéger parce que sinon, hop là, j'ai plus de plumes jaunes d'ailleurs, il faudrait que je trouve à en récupérer, sinon on se brûle. Alors, hop. Il y avait une autre bouche d'aération, je crois, qui était sans danger, quelque part. Elles sont vraiment flippantes. Elles me faisaient extraordinairement peur, ces bouches d'aération, quand j'étais petit. Quand j'ai fait le jeu, j'avais 12 ans. Donc on pourrait croire qu'à 12 ans, pourtant, on est plus assuré. Mais non, à 12 ans, j'avais peur de ces bouches d'aération qui me tombaient dessus. Hop.
Hop. Alors ici, où sommes-nous? Regardons. Ah, il y a encore des caisses. Ah, ouais, super. Il y a une plume jaune. Les plumes jaunes, c'est des pouvoirs d'invincibilité qui sont bien pratiques pour explorer le jeu. Et certains ennemis ne peuvent... hop là. Hop, je te pète des œufs sur toi. Voilà, merci. Certains ennemis ne peuvent se tuer qu'avec le message... qu'avec l'invincibilité. Hein, si on n'a pas l'invincibilité, on ne peut pas leur faire de mal. Eh ben alors. Bon. Ça valait le coup. Donc voilà, il faut faire attention à ce type de petit... méchant. Il faut faire attention à ces petits... à ces petites erreurs. Ici, on est dans une sorte de soute à charbon, j'ai l'impression. Il y avait un sac à charbon. Hop. Hop. Là aussi, en termes de relations, c'est intéressant de voir la façon dont les niveaux... Ah, je me suis fait zut. La façon dont un niveau comme le Rusty Bucket Bay dispose et met en relation les différents endroits, les différentes sous-zones de son environnement. Hop là. Afin de créer une expérience de jeu toujours vivante, qui plutôt que de s'apparenter comme dans les premiers niveaux du jeu, qui sont des petits endroits comme ça, qui s'apparentent à des micro-épreuves, qui de plateforme, qui de combat, etc. Les premiers niveaux du jeu sont plutôt des aires assez vastes, dans lesquelles on va pouvoir s'ébrouer, si je puis dire, hein, à gauche, à droite, sans vraiment de limite, hein, sans vraiment s'en inquiéter. Donc voilà, c'est le genre d'éléments qui contribue aussi à la complexité de ces niveaux, le fait que l'on segmente l'espace de jeu plutôt que de l'offrir en sa totalité. Est-ce que je t'avais visité, toi? Je sais plus. Non, parfait. Hop, par contre, on arrive à l'un des endroits les plus difficiles du jeu, qui se trouve être la salle des machines. Vous voyez derrière, on explorera ça, qui est l'un des endroits qui a donné des sueurs blanches à la majorité des joueurs de l'époque. Moi y compris d'ailleurs, puisque c'est un des niveaux du jeu les plus compliqués. Notamment pour avoir le Jiggy qui s'y cache. C'est le dernier Jiggy, donc les Jiggy c'est les pièces de puzzle. C'est voilà, le plus difficile à récupérer du jeu de la vie de l'ombre. Il y a une phase chronométrée voilà, qu'il faut faire sans se perdre, donc c'est pour ça que je le ferai à la toute fin du niveau sans... après avoir fait tous les autres. Bon, je pense que l'on a exploré toutes les salles du premier niveau. Donc, on va prendre l'escalier et on va explorer donc le niveau intermédiaire du Bucket Bay. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc ici, je pense pas qu'on ait grand-chose. Hop, on va arriver ici. Qu'est-ce que l'on a? Ah bah j'avais déjà exploré ce niveau en fait. Ok. Hop. Ah oui, c'est le niveau. D'accord. Hop là. Vous voyez, je me perds dans le navire. Mais après, je trouve l'idée extraordinaire de ce niveau. Le Bucket Bay. Voilà, on explore le cargo. Je trouve que ça marche très 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 bien. Mais alors, que le niveau est long. Hein. Il faut vraiment être très méthodique dans ce que l'on fait. Parce que sinon... on n'y arrive pas. Alors, donc ici, c'est ce pourquoi on avait besoin du code de tout à l'heure. Hop, donc, pour activer les sifflets dans l'ordre qu'il fallait. Donc, 312, 111. Le code ne me semble pas changer de partie en partie. Il me semble que c'est toujours le même. Donc, et vous n'avez pas besoin spécialement de déclencher un événement pour récupérer
le code, donc... Hop. Yaha. Quatrième Jiggy. Alors ici... Hop, on était venu par là, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que l'on a de ce côté? Donc là, on a les cheminées que l'on va devoir explorer. Et je pense que sur ce niveau-là, ça me semble pas mal. Donc on va explorer les cheminées. Hop! Avec des niveaux intermédiaires, là aussi. Où se trouve d'ailleurs la deuxième grue que je voulais? De l'autre côté, je pense. Hop, tac, tac, tac. 77 notes de musique. Les notes de musique sont disposées dans le niveau afin que, en les collectant toutes, en les cherchant, on explore tout ce que le niveau a à offrir. Les notes sont vraiment des breadcrumbs, hein, des miettes de pain, hein, comme dans la comptine, qui nous permettent du coup de savoir exactement où nous en sommes. Et c'est pour ça que généralement l'idée... Hop. Généralement l'idée c'est de faire en sorte de remplir l'objectif en même temps que l'on connecte les notes de musique. Parce que sans ça on ne sait plus où nous sommes passés, et comme c'est des niveaux qui peuvent être assez grands, là vous voyez, on est dans les derniers niveaux du jeu, donc le Bucket Bay est un des niveaux les plus grands, ce n'est pas le plus grand du jeu. Mais voilà, au bout d'un moment, la taille de ces niveaux nous donne le tournis. Vous voyez là en bas à droite, là où il y a le petit rond sur le sol, c'est là où on a commencé le niveau tout à l'heure. Le conte, vous savez, de Perrault, où il laisse des petites miettes de pain voilà, dans la forêt pour se retrouver quand les parents essayent de les perdre. Et puis en fait, bon, ça ne marche pas puisque les oiseaux mangent les miettes de pain. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Profitons un peu de notre hauteur de vue pour hop, calculer notre prochaine direction. Et donc, c'est par là qu'il nous faut aller à présent. Hop. Sur les caisses. Voilà, le petit poussé, tout à fait. Je sais pas pourquoi le nom me venait pas en tête. Mais oui, le petit poussé. Hop. Ah, de merde, j'ai du mal à juger. Hop. Non. Voilà, merci. Je sais pas pourquoi, j'avais tendance à sauter un peu plus loin. Et on va grimper sur cette caisse de TNT. Ah, c'est là où il y a aussi le... On va profiter pour récupérer... Hop, l'interrupteur de la sorcière qui déclenche un événement dans son antre. Nommément, hop, il fait apparaître une petite pièce de puzzle à un endroit hop, du hub à l'extérieur du niveau. Ce sont des sortes de petites pièces cachées, hein, bon, plus ou moins bien cachées comme vous pouvez le voir. Hop, tac, montons. J'ai toujours aimé par contre la musique de ce niveau. Toute la musique de Banjo-Kazooie composée par Grant Kirkhope est vraiment une bénédiction pour les oreilles. C'est une des plus belles musiques de jeux vidéo qui a été composée. Je dis ça vraiment sans affectation, hein, sans fausse flatterie. Hein. C'est vraiment un des jeux... Et vraiment les plus intéressants à ce niveau-là, musicalement, c'était vraiment un régal. Hop, alors, tac, quelques petites notes par-ci par-là. On va hop, payer. Hop. Le péage pour hop, débloquer ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses à collecter ici. Le thème du requin. Oui, tout à fait, le thème de requin est très inspiré de celui des Dents de la Mer, de Jaws. Hein, mais il y a pas mal de petits échos. On sent qu'il y a des thèmes qui font penser plutôt à de la musique savante, d'autres qui font penser à de la musique de film ou traditionnelle, etc. Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller par là?
Peut-être. On va aller explorer ce qui se passe par là, parce que je me rappelle plus s'il y a... Si la caméra veut bien collaborer. Hop. Dun, dun, dun. Ah bah oui, il y avait un petit Jinjo. Hop. Et donc, il ne me reste plus qu'un à collecter. Il est beau, hein, ce bâtiment. Hein. Hop. Alors. Donc là, il nous reste, je pense, trois choses à faire. Dans le Rusty Bucket Bay, il nous reste la soute que l'on vient d'exploser avec hop, le TNT. Donc là, c'est là où j'étais tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait des choses à faire. La soute que l'on vient d'exploser avec le TNT. Il nous reste à explorer... Je sais pas comment on pourrait dire. L'endroit où il y a l'encre du niveau. L'endroit où il y a l'encre du navire. Dans lequel on va devoir faire une quête. Et puis, il y a... Enfin, la salle des machines. Et je pense que l'on aura fini d'explorer cet univers. En tout cas, rentrons là-dedans. Et voilà, le boss. Qui a osé déranger la boss boombox? Et l'idée, c'est qu'on lui envoie des œufs dessus jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà. Et elle finit, en fait, après, par se diviser en plus petites boîtes à la façon des poupées russes. Elle se divise en boîtes de plus en plus petites. Hop. Alors, quand on a les étoiles, les plumes d'invincibilité, il suffit de se rendre invincible et puis de... Hop. De laisser l'invincibilité tuer le boss. Mais... Là, ici, comme je suis un peu court en plume, j'essaye de l'affaiblir avant de le faire. Les speedrunners réservent leur plume d'or pour ce moment-là du jeu. J'espère que j'en aurai assez, d'ailleurs. Ah, je vais manquer deux. Ah, j'ai plus deux. Alors. Hop. Du coup, attaque roulade sur les dernières. Et voilà. Arr, tu as gagné. Je suis en pièces. Prends ceci. Allez hop, et on sort. Top, 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 top. Ok, donc maintenant il nous faut nous occuper de l'encre du Rusty Bucket Bay. Et cette encre se situe pas loin. Ah, il y a des œufs ici. Il y a un œuf. Il y a deux œufs. Il n'est pas si dur de trouver des œufs dans le jeu, mais autant refaire le stock. Hop, il va falloir... La salle des machines sera dans cette direction-là. On ira ultérieurement. Hop, je crois pas qu'il y ait de porte de l'autre côté. Non, alors... Ah, je me suis perdu. Ouais. Là, ça va être par là. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le voir d'ici? Alors, l'idée, c'est que en dessous de nous, si je me suis pas trompé, hop.
il y a voilà, un pauvre dauphin qui est prisonnier de l'encre du Rusty Bucket Bay. Et donc, il va nous falloir trouver un moyen de lever l'encre, littéralement. Afin de le sauver. Hop. Voilà le petit dauphin. Merci les amis. Tenez, ceci est pour vous. Hop. Et avec ça... J'aime bien les marins qui font « Hi !» avant de nous foncer dessus. Ils sont quand même assez gentils. Hop, 88. Je pense que c'est tout ce qu'il y a dans cette petite pièce. Ok. Donc on va pouvoir ressortir. Je crois pas qu'il y ait de note de musique ici. Non. C'est parfait. Hop, nom d'un petit bonhomme. Attendez. Hop. Je préfère relancer. Eh bien, dis donc. Allez, Banjo. Le trou est assez grand pour toi, je t'assure. Voilà. Ouais, la nage est un peu particulière dans Banjo. Elle est... C'est pas la pire de cette génération. Franchement pas. Mais elle demande quand même un peu d'habitude. Et avec ça, je pense que... Je pense que... Ça devrait être bon. Ah, j'ai plus deux. Mince. Hop. Est-ce que ça suffit si je fais ça? Bon. Hop. Alors. Du coup, il nous reste plus qu'à faire la salle des machines. La dreaded, la redoutée salle des machines. Qui est peut-être l'un des endroits les plus durs de cette période du jeu vidéo en termes d'exigence qui demande CT. La salle des machines est vraiment une horreur à faire en termes de plateforme quand on n'a pas de sauvegarde. De sauvegarde d'état comme je m'autorise à le faire. C'est particulier parce que du coup dans Banjo il n'y a pas de mouvement qui existe par ailleurs dans beaucoup de jeux de plateforme 3D de cette génération. Mario, Rayman, etc. C'est la possibilité de s'accrocher au bord des plateformes. C'est quelque chose voilà, qu'on a dans Mario. On peut s'accrocher au bord des plateformes, se suspendre. Hop là. Pour pouvoir voilà, éviter les pièges. Ce n'est pas quelque chose qui est autorisé dans... hop, dans Banjo-Kazooie, ça le sera dans la suite, dans Banjo-Tooie. Mais ici, du coup, on ne peut pas, une fois qu'on tombe d'une plateforme, on n'a aucun moyen de se rattraper. Ça a été d'ailleurs l'objet d'une discussion dans le tout premier épisode de Ludographie Comparée, donc jadis, parce que ce type de séquence de jeu, par exemple, devient très, très, très difficile à faire sans ce pouvoir. Et c'est un des rares endroits du jeu aussi où si vous tombez, alors que le bateau n'est pas infini, vous mourrez immédiatement. C'est le seul puits sans fond du jeu. Dans les autres niveaux du jeu, vous n'avez pas de puits sans fond. Hop là. Vous avez toujours... Ou bien vous tombez de très 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 haut et donc vous mourrez. Ou bien alors... Hop là.
Alors, voilà. C'est pour ce type de choses-là que c'est vraiment proprement innommable, parce que du coup, les 12 dernières notes du niveau se situent sur ces trois plateformes. Et donc... Ouais, dans tous les cas, je vais être obligé de faire les trois. Donc les speedrunners s'en moquent un peu, ils passent à toute berzingue, ils sautent, ils grésillent, ils affrontent l'adversité avec en riant, mais quand vous êtes comme nous autres, pauvres mortels, voilà ce qui risque de vous arriver régulièrement. Donc là, vous voyez, si j'étais en train de jouer pour de vrai, bah, je tombe, enfin pour de vrai, c'est-à-dire sur une vraie console, je glisse, je tombe, je meurs, et je ne peux rien faire d'autre. On va essayer de se choper ce petit token de Mumbo parce que j'en aurai besoin pour le niveau suivant. Oh non, quoique. Hop, on va plutôt revenir sur la précédente plateforme. Cette séquence de jeu est vraiment extraordinaire. Réputé pour sa difficulté. Vous m'excuserez, j'abuse, je surabuse des sauvegardes d'état, mais... Oh mon Dieu! Je sais pas comment j'ai pu le faire à l'époque. Je suis mort énormément de fois. J'avais segmenté la quête des notes de musique à part. Pour justement éviter ce type de désastre. Ah. Ouf. Donc là, c'est là où nous étions tout à l'heure. Hein, avec les... avec l'interrupteur. Alors, est-ce qu'il faut que j'active... Si j'active un seul interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le... Parce que le dernier Jiggy se trouve ici, derrière les hélices du Rusty Bucket Bay. Et donc, il va falloir que l'on active les deux interrupteurs pour récupérer... Oh, bah, évidemment... Ah. Évidemment, les hélices nous font mal. Voilà, merci. Voilà déjà nos 100 notes de musique. Hop. Le Jiggies qui nous manquait de la salle des machines. Il va nous manquer un Jinjo. Il va nous manquer un Jinjo d'ailleurs, tiens. Où se trouve-t-il? Ah! Il me manque un Jinjo. Il me manque lequel? Il me manque le Jinjo rose. Où est-ce qu'il est celui-ci? Il est pas dans la salle des machines? J'étais persuadé qu'il était dans la salle des machines, ce Jinjo. Alors attendez, je veux récupérer le Jinjo avant de faire l'épreuve de l'hélice. Alors, je regarde très rapidement où il est parce que j'ai un doute. Alors, Rusty Bucket Bay. Jinjos. Où se trouve-t-il? Collectibles. Jinjo pink. In a large alcove underwater under the grate. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va aller le récupérer du coup avant. Il était là, là où il y avait la ruche au-dessus d'une grille au début du niveau. Il était sous l'eau. J'avais oublié ce détail.
On va aller le chercher avant de faire l'épreuve de la salle des machines. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait ça, je regarde l'heure, ça fait à peu près un peu moins de 2 heures que le stream a commencé. Ça sera très bien pour ce soir. Ah. Wow. Hey. Ah. Hop, ça vaut pas l'échelle de Metal Gear Solid 3, mais c'est quand même une grande échelle. Alors, hop, donc sous l'océan, très très bon, très très bon. Alors, est-ce que ça va être de ce côté? Ouh, les œufs. Hop. Alors, je pense que ça va être... Ouais, voilà. En fait, le Jinjo va être sous cette caisse. Voilà, il faut rentrer. Vous voyez, il y a une petite alcôve ici, dans lequel on va pouvoir récupérer le Jinjo, si je me rappelle bien. On va tester cette théorie. Hop. Voilà. Et en plus, on fait même une tactique de speedrunner. Parce que vous avez observé... Allez, Banjo, 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 merci. Eh bien. Ne meurs pas d'asphyxie, s'il te plaît, mon petit. Merci. Vous avez remarqué que quand je chope un Jinjo, une pièce de puzzle, Banjo fait une petite danse de la victoire. Voilà, il se trémousse. Cette danse, évidemment, quand vous faites un speedrun du jeu, quand vous essayez de le finir le plus rapidement possible, ça vous fait perdre quelques secondes. Ça vous fait perdre 1 ou 2 secondes. Donc 1 ou 2 secondes pour une pièce, on se dit, bon, ça va. Mais comme il y a 90 Jinjo à récupérer dans le jeu, ça fait 90 fois 2 ou 3 secondes. Donc à la fin, ça devient plus des secondes, c'est des minutes. Hein, n'est-ce pas? Et donc... Avoir tant de minutes de moins sur un run, ça peut faire la différence entre un record du monde et un autre. Donc du coup, les speedrunners développent des tactiques pour empêcher Banjo de faire sa petite danse de la victoire quand il récupère un Jiggies. Et donc l'une de ces techniques... qui n'est pas la seule, mais l'une de ces techniques, c'est, par exemple, faire en sorte de collecter le Jiggies sous l'eau. Puisque sous l'eau, la petite danse ne se déclenche pas. De la même façon, là, quand on collecte le 10e Jiggies d'un niveau, la 10e note de musique d'un niveau, la danse de Banjo est beaucoup plus longue. Elle dure... peut-être 10 secondes, hein, pour dire que voilà, vous avez tout trouvé dans le niveau. Mais 10 secondes, voilà, c'est très long pour un speedrun, donc pareil, il s'arrange ou bien de le récupérer sous l'eau, ou bien de faire un bug, un glitch très particulier. Par exemple, de tomber au moment où on récupère le Jinjo, le Jiggies, pour éviter ce problème. Donc, hop! Il est temps d'aller affronter le Jiggies le plus difficile du jeu, à mon sens, celui qu'à l'époque j'avais collecté en tout dernier dans ma partie. C'était le tout dernier Jiggies que j'avais récupéré. Là, vous voyez, on a tout. On a les 100 notes de musique, les 9 pièces de puzzle sur 10, les 2 alvéoles. Les alvéoles, c'est des petits bonus secrets. Si vous en collectez 6... vous augmentez d'un point, vous avez un point de vie complémentaire, donc ce qui est très intéressant. Et donc, l'idée de ce Jiggies, c'est que l'on va donc
on a activé un des interrupteurs ici. Quand j'activerai l'autre interrupteur, les moteurs du Rusty Bucket Bay vont s'arrêter. Pendant, je crois, 60 secondes, 90 secondes, je ne sais plus exactement, on va voir. Et donc, pendant ce laps de temps, il va nous falloir traverser le bateau pour plonger et aller atteindre le Jiggies derrière les hélices, voilà, pour le récupérer. Généralement, je le laisse en dernier. Pourquoi ? Parce que généralement, je n'arrive pas à ressortir des hélices quand je récupère cette pièce de puzzle. Et donc, quand je l'ai récupéré, si par exemple à l'époque, voilà, j'avais pas les 100 pièces, les 100 notes de musique ou quoi, bah je meurs, il faut refaire les 100 notes de musique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un joueur traditionnel a tout intérêt à commencer par les 12 notes de musique de la salle des machines, puisque comme vous voyez, on peut mourir très rapidement. Et donc, si c'était les dernières comme ici que je devais récupérer, vous avez vu, même avec les sauvegardes d'état, je suis mort 3-4 fois en rechargeant. Donc, c'est vraiment une épreuve très compliquée. Donc on va tester, on va voir combien de temps il me faut pour faire cette épreuve là, qui est vraiment l'une des plus compliquées. Donc voilà, je meurs directement. 65 secondes on a pour récupérer, hop, le Jiggies. Hop. Chaque seconde compte. 41, 40. Oh mon dieu. Là j'ai à nouveau 10. Ah. J'ai à nouveau... 12 ans. En train de stresser de la vie là. Pour... récupérer ce Jiggies. Allez Mathieu, 20 secondes, tu peux le faire. 15, 13, 12. Yes. Wouh. Et là la petite fanfare m'indique que j'ai collecté toutes les pièces de puzzle du niveau. Waouh. Ah, c'était plus facile que dans mes souvenirs quand même, mais c'était quand même assez compliqué. Et donc je vérifie les statistiques. 56 minutes pour terminer. Alors pour vous donner une idée du temps que j'ai mis pour les derniers niveaux, pour que vous voyez. Donc le premier niveau, Mountain Mumbo, 18 minutes pour tout récupérer, 30 pour le deuxième, 42... 34 pour le Moiré Moisi, que j'aime beaucoup, que je connaissais encore assez bien. 40 pour le Pic Polaire, 35 pour la Vallée de Gobi, et puis là, 45 et 1 heure pour le Rusty Bucket Bay. Pour le dernier niveau du jeu, il faut compter à peu près une bonne heure également, je dirais, pour terminer la partie. Quoi qu'il en soit, et ceci étant fait, nous n'avons plus qu'à sortir du niveau. Pour... hop, valider tout ce que nous avons trouvé et notamment les notes de musique. Alors les notes de musique se sauvegardent également si nous sommes en... si nous mourons. Hein. Donc les speedrunners, généralement, les speedruns maintenant, c'est d'ailleurs très impressionnant, prennent du dégât exprès à des endroits clés de leur parcours pour pouvoir, quand ils récupèrent le tout dernier Jiggies ou le tout dernier objet qu'ils veulent récupérer dans le niveau, mourir immédiatement pour pouvoir ressortir du niveau. C'est assez impressionnant la façon dont ils parviennent à faire ça. Vraiment, je vous recommande de voir les speedruns de Banjo-Kazooie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire. On revient dans l'ombre de la sorcière. On va récupérer la petite pièce de puzzle que l'on avait débloquée. Hop, on va en profiter pour récupérer la petite plume dorée. Que l'on avait débloqué, hop, avec l'interrupteur de Gruntilda. Hop, et si mes souvenirs sont bons, il se trouve dans la salle. Hop, d'avant.
Je me rends devant l'entrée du dernier monde du jeu, le Click Clockwood, que je ferai la semaine prochaine, du coup, puisque je ne serai... Oh, boum. Explosion. Puisque je ne serai pas là la semaine prochaine. Enfin, ce week-end. Alors... Donc, il me semble que le Click Clockwood est ici... La pièce de puzzle est là. Oh, ok, super. Boum. Hop, j'ai vu que là, il y avait une petite... Je vais regarder s'il y aura une speedrun, une run à speedrun. Ouais, je pense, oui, ça va être tout prochainement. Est-ce que j'avais exploré ce coin, d'ailleurs? Tiens, je me rappelle même plus... J'avais même pas exploré ce coin, vous vous rendez compte? Moi qui croyais avoir tout exploré dans cette zone-là, donc on fait toujours des petites surprises. Et donc, hop, on va passer. Là, normalement, il faudrait. Oh. Non, on va passer avec l'invincibilité parce que c'est trop compliqué sinon. Et avec ça, voici l'entrée du bois clic-clac, du bois TikTok, au concept extraordinaire. Ton petit oiseau est ridicule, ses pouvoirs sont vraiment nuls. Mais la sorcière parle en rimant, c'est toujours assez drôle à lire. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Hop, une sauvegarde d'état. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de hop, difficulté, en plus de la sauvegarde d'état, je fais une vraie sauvegarde dans le jeu. Même si du coup, ça me remettra pas exactement à cet endroit-là, mais il y a un raccourci exprès si jamais on veut y revenir. Et avec ça, je termine le stream de ce soir. Voilà. Donc, je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont passés. Voilà, ce soir, sur le stream, notamment les nouveaux, les nouvelles venues. Hein. Le replay sera disponible 15 jours sur Twitch, comme d'habitude, et dès demain, ou un peu plus tard, voilà, il sera mis en ligne sur ma chaîne YouTube pour revisionnage, si jamais vous le désirez. Hop. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore. Et puis, à la prochaine fois. Ciao, ciao.